vos experts sont là fidèles au poste bien sûr on commence par euh, l'actualité internationale François Clémenceau ce soir à la télé hier mexicaine soir. Hier, euh, hier soir à la télé mexicaine c'était le dernier débat télé euh, de la campagne pour l'élection présidentielle et le candidat qui reste euh, favori euh, surprend par euh, sa main tendue à Donald Trump oui et c'est d'autant plus euh, surprenant qu'André Manuel López Obrador qu'on appelle plus communément par ses initiales AMLO est une sorte de calque inversé de Donald Trump le président américain N'a jamais fait de politique. Amelot, lui, est un vieux routier de la politique mexicaine. Il a démarré dans les années 70 pour finir 30 ans plus tard par devenir le maire de Mexico. Trump est un New Yorkais, héritier devenu milliardaire. Amelot est un provincial, originaire du Tabasco et de milieu modeste. Trump a flirté avec le Parti démocrate dans les années 80 avant de devenir le candidat à la Maison-Blanche des Républicains. Amelot, lui, a commencé à militer au centre avant de bifurquer nettement à gauche pour créer sa. Propre alliance, Morena, qui est en fait une plateforme de mouvements sociaux très près de la base, méfiante vis-à-vis -vis des élites. C'est la troisième fois qu'il se présente à la présidentielle et pour l'instant, les sondages lui donnent entre 14 et et 26 points d'avance. Euh, mais alors pourquoi est-ce que vous dites qu'il pourrait devenir un, un Trump mexicain et ben Parce qu'ils ont en commun tous les deux de briser les tabous sur trois dossiers majeurs qui font le quotidien des Mexicains. La pauvreté d'abord, contre laquelle il présente un programme d'investissement massif dans le social, quitte à ce que cela fasse repartir les déficits publics au sommet. La criminalité ensuite, puisqu'il prétend ni plus ni moins négocier avec les cartels des narcotrafiquants en proposant une amnistie pour les voyous des gangs qui n'ont pas de sang sur les mains, en échange d'une diminution de la violence armée, sous prétexte, dit-il, qu'on ne combat pas le feu par le feu. Et l'immigration enfin, et c'est là qu'il tend une main à Donald Trump, non pas pour bénir son mur à la frontière que le Mexique devrait payer, mais en proposant au président américain d'investir économiquement dans des zones franches le long de la frontière afin de réduire la pression migratoire. Et François, vous nous disiez qu'il y avait un débat hier à la télé, euh, ça a donné quoi Eh bien ça a donné que les trois autres candidats qui viennent pour la plupart de la droite et du centre se sont tous ligués contre lui. Amelot a cherché à noyer le poisson sur les pièges évidents qu'on lui tendait, notamment sur son programme, mais c'est lui qui a fait le spectacle avec des formules, des effets qui plaisent au grand public. Et oui, là aussi, Trump. exactement, ça favorise cette comparaison avec le prince civil, hein. de la télé-réalité américaine, Donald Trump.